Salut les lardons, salut les crotons. J'ai une bonne nouvelle pour tout le monde. On a gagné le gros lot ou quoi? Il y a encore plus de programmes télé pour les lardons. Mais c'est super méga blabla ça. Il y en a plus que pour les gnomes sur la 2. Ça c'est une bonne télé la 2. Je te le fais pas dire, génome. Alors les lardons, vous avez pigé hein. Sur la 2, on vous attend nombreux, 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 nombreux. Parmi les nouveaux rendez-vous, le mercredi, Tintin et Kid Paddle, le samedi, Lucky Luke et Titeuf, pour ne citer que. Et les lardons, il y a du nouveau dans Blabla. Allez, je vous montre un petit bout juste pour vous donner envie. Regarde, on peut voir des aventures extraordinaires à la télé. Les aventures de Jasper. Yaou. Les mésaventures de Féodore. Allons-nous en d'ici! Corneille? Bernie? À toi, mon cher! Hein? Et les farces de Corneille et Bernie. Trois nouveaux dessins animés dans Blabla, ça vaut le coup d'œil! Ici, Blabla! Toute la semaine, Génome te catapulte dans un univers parallèle. Je te promets que tu vas t'éclater! Un monde d'aventure dans lequel les enfants aussi sont des héros. Qui es-tu? Il n'a pas peur de personne. C'est chouette, hein? Ah, c'est chouette. Les heures de visite pour Génome, c'est à partir de 18h. Plutôt 18h15. Ah ouais. Génome. Bon, vous avez demandé de faire une promo, alors on va faire quelque chose de très très court, d'accord? C'est simple, tu passes quand tu veux, c'est 15 minutes tous les soirs sans exception avec des invités, des interviews, des scoops croustillants. Des reportages exclusifs, on se déplace sur le terrain, on prend des risques pour vous. Bref, on est un peu mis à toutes les sauces, quoi. On cuisine pour vous, on vous conseille, on vous donne des bons plans. On est un petit peu multifonction, on peut le dire. On fait tout et parfois n'importe quoi, bah parce que ça fait du bien. Et surtout, on nettoie votre télé tous les jours. Vous êtes content? Ouais! Vous êtes content? Ouais! Génial! Maintenant, tu passes quand tu veux, c'est tous les jours de la semaine à 18h50 et c'est sur la 2, évidemment. Maman, je sais que quelquefois tu aimerais que je sois différente. Oh, Buffy, non! Si, pour toi, j'aurais adoré être quelqu'un d'autre. Décidément, Buffy n'est pas une écolière comme les autres. Elle fait des rêves inquiétants. Dis donc, quand tu dors, tu fais toujours autant de bruit. Elle a de drôles de fréquentations. Tu veux un câlin? Une manière particulière de marquer son affection. Et ses amours sont plutôt intenses. T'es pas déjà fatiguée, j'espère, parce que je suis très en forme. Buffy, la buteuse, prend des forces pour être tous les jours de la semaine au rendez-vous sur la 2. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin. Rimbaud, des rêves d'ailleurs. Ses écrits et ses proches témoignent de la fuite de sa ville natale. De l'amitié destructrice qu'il entretenait avec Verlaine. De son exil. De ses souffrances. Un film à la recherche du poète maudit. Rimbaud, un voyage en poésie. Deux fois plus de rêves sur la 2. La vie et les amours du mime de bureau au cinéma. Sacha Guitry en est l'auteur. Il en est bien entendu le principal interprète. Et il en est encore le metteur en scène. Ça c'est joli, tout est joli. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que c'est joli, une femme jolie. Quel acteur, c'est formidable. Cet homme-là n'est pas remplaçable, jamais. Le créateur du personnage de Pierrot, interprété et mis en scène par Sacha Guitry. De bureau, samedi soir, dans les classiques du cinéma. Est-ce que nous sommes étrangers au temps de l'univers? Ou est-ce qu'au contraire, nous sommes l'expression du temps de l'univers? Je veux comprendre dans un sens, au fond, d'unir, de relier, de rendre cohérent des expériences qui, à première vue, sont contradictoires. Mais ce n'est pas un point de vue scientifique. Le point de vue scientifique, c'est de faire une belle expérience. Il y a Frigogine, où le temps retrouvé est à l'honneur dans l'émission Archive, samedi, sur la 2. Je
Voilà, personnellement, ce que j'attends du procès, ben, je vous dirai pas grand-chose. Après 8 années d'instruction, l'affaire Dutrou comporte encore de nombreuses zones d'ombre. Vaut mieux ne rien avoir entendu, vu ou senti, c'est beaucoup mieux ainsi. Laetitia, elle attend une réponse. On a perdu beaucoup d'illusions, beaucoup d'espoir et même des certitudes qui nous sécurisaient. À la veille du procès, les familles des victimes évoquent leur long combat pour la vérité. Ombre et vérité, la Belgique des années Dutrou, dimanche soir sur la 2. Le dimanche, tous les excès sont permis. Rohypnol. Oh, it's working. Come here. What's happened to your face? Darling, I told you. Mom, so, you are going to use contraception face, isn't it, darling? I think. Attention, Absolutely Fabulous, exceptionnellement plus tard, ce dimanche. Brothers, a brother. Peu de choses, peu d'êtres leur accrochent à la vie. Si ce n'est un voyage vers l'essentiel. I want to sit with him. Look up at the stars. Like we used to do. La sagesse d'une quête pleine de sens. A Straight Story, c'est deux fois plus vrai sur la 2. Dans le cadre des 40 ans de l'immigration marocaine, au-delà de Gibraltar, bientôt sur la 2. La2.be, le site web de la 2. Oh, mais c'est le nouveau site de la 2! Ouais. Parce que tous vos programmes prolongent leur vie sur le web. Il y a Yasmine. Yasmine! La2.be, c'est d'abord l'horaire de tous vos rendez-vous, simple et accessible. Mais c'est aussi un lien vers le site de chaque émission. Des liens, des jeux et tout ce qu'il faut savoir sur les idoles des petits. Pour les jeunes, des infos pratiques, des agendas et des bons plans. Grand temps plein. Et pour tous, une plongée au cœur de la culture. Histoire, cinéma, séries, films belges, films du monde, entretien, musique et danse. Et encore de la détente, des concours et des places à gagner. Tout cela et bien plus encore sur le site de la 2, www.la2.be. On va sur le site de Blabla. Ça va ? Ce type est fou. 3, 4. Toi qui rêves en grand, qu'on reconnaisse enfin ton talent. Rêve, vas-y, rêve. S'allume sur toi les projecteurs. Je te leur montrer, plus rien ne t'empêche de tout donner. Ça va t'arriver en vrai. Tu es jeune, tu adores la musique, tu as du talent. Et tu as envie de sortir de l'anonymat. Quand vous aurez fini, vous pouvez ramasser l'herbe. Alors, tente ta chance et inscris-toi à l'une des plus belles aventures musicales du moment, le grand concours Eurokids. Renseignements sur le site de la RTBF ou par téléphone. Salut les lardons, salut les crotons. J'ai une bonne nouvelle pour tout le monde. On a gagné le gros lot ou quoi? Il y a encore plus de programmes télé pour les lardons. Mais c'est super méga blabla ça. Il y en a plus que pour les gnomes sur la 2. Ça c'est une bonne télé la 2. Je te le fais pas dire, génome. Alors les lardons, vous allez piger hein. Sur la 2, on vous attend nombreux, 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 nombreux. Parmi les nouveaux rendez-vous, le mercredi, Tintin et Kid Paddle, le samedi, Lucky Luke et Titeuf, pour ne citer que. Et les lardons, il y a du nouveau dans Blabla. Allez,
je vous montre un petit bout juste pour vous donner envie. Regarde, on peut voir des aventures extraordinaires à la télé. Les aventures de Jasper. Yaou. Les mésaventures de Féodore. Allons-nous-en d'ici. Corneille. Bernie. À toi, mon cher. Hein? Et les farces de Corneille et Bernie. Trois nouveaux dessins animés dans Blabla, ça vaut le coup d'œil. Ici, Blabla. Toute la semaine, Génome te catapulte dans un univers parallèle. Je te promets que tu vas t'éclater. Un monde d'aventure dans lequel les enfants aussi sont des héros. Qui es-tu? Il a pas peur de personne. C'est chouette, hein? Ah, c'est chouette. Les heures de visite pour Génome, c'est à partir de 18h. Plutôt 18h15. Ah ouais. Génome. Bon, on vous a demandé de faire une promo, alors on va faire quelque chose de très très court, d'accord? C'est simple, tu passes quand tu veux, c'est 15 minutes tous les soirs, sans exception, avec des invités, des interviews, des scoops croustillants. Des reportages exclusifs, on se déplace sur le terrain, on prend des risques pour vous. Bref, on est un peu mis à toutes les sauces, quoi. On cuisine pour vous, on vous conseille, on vous donne des bons plans. On est un petit peu multifonction, on peut le dire. On fait tout et parfois n'importe quoi, bah parce que ça fait du bien. Et surtout, on nettoie votre télé tous les jours. Vous êtes content? Ouais! Vous êtes content? Ouais! Génial! Maintenant, tu passes quand tu veux, c'est tous les jours de la semaine à 18h50 et c'est sur la 2, évidemment. Je sais que quelquefois tu aimerais que je sois différente. Oh, Buffy, non! Si, pour toi, j'aurais adoré être quelqu'un d'autre. Décidément, Buffy n'est pas une écolière comme les autres. Elle fait des rêves inquiétants. Dis donc, quand tu dors, tu fais toujours autant de bruit. Elle a de drôles de fréquentations. Tu veux un câlin? Une manière particulière de marquer son affection. Et ses amours sont plutôt intenses. T'es pas déjà fatiguée, j'espère, parce que je suis très en forme. Buffy, la buteuse, prend des forces pour être tous les jours de la semaine au rendez-vous sur la 2. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin. Rimbaud, des rêves d'ailleurs. Ses écrits et ses proches témoignent de la fuite de sa ville natale. De l'amitié destructrice qu'il entretenait avec Verlaine, de son exil, de ses souffrances. Un film à la recherche du poète maudit, Rimbaud, un voyage en poésie, deux fois plus de rêves sur la 2. La vie et les amours du mime de bureau au cinéma. Sacha Guitry en est l'auteur. Il en est bien entendu le principal interprète et il en est encore le metteur en scène. Ça c'est joli, tout est joli. Mon Dieu, que c'est joli, une femme jolie. Quel acteur, c'est formidable. Cet homme-là n'est pas remplaçable, jamais. Le créateur du personnage de Pierrot, interprété et mis en scène par Sacha Guitry. De bureau, samedi soir, dans les classiques du cinéma. Est-ce que nous sommes étrangers au temps de l'univers? Ou est-ce qu'au contraire, nous sommes l'expression du temps de l'univers? Je veux comprendre dans un sens, au fond, d'unir, de relier, de rendre cohérent des expériences qui, à première vue, sont contradictoires. Mais ce n'est pas un produit scientifique. Le produit scientifique, c'est de faire une belle expérience. Il y a Prigogine, où le temps retrouvé est à l'honneur dans l'émission Archive, samedi, sur la 2. Voilà, personnellement, ce que j'attends du procès, ben, je vous dirai pas grand-chose. Après 8 années d'instruction, l'affaire Dutroux comporte encore de nombreuses zones d'ombre. Vaut mieux ne rien avoir entendu, vu ou senti, c'est beaucoup mieux ainsi. Laetitia, elle attend une réponse. On a perdu beaucoup d'illusions, beaucoup d'espoir et même des certitudes qui nous sécurisaient. À la veille du procès, les familles des victimes évoquent leur long combat pour la vérité. Ombre et vérité, la Belgique des années Dutroux, dimanche soir, sur la 2. It's my before. Yes. Le dimanche, tous les excès sont permis. Rohypnol. Oh, it's working. Come here!
here? What's happened to your face? Darling, I told you. Mom, so, you are going to use contraception face, isn't it, darling? I think. Attention, Absolutely Fabulous, exceptionnellement plus tard, ce dimanche. Brothers and brother. Peu de choses, peu d'êtres le raccrochent à la vie. Si ce n'est un voyage vers l'essentiel. I want to sit with him. Look up at the stars, like we used to do. La sagesse d'une quête pleine de sens. A Straight Story, c'est deux fois plus vrai sur la 2. Dans le cadre des 40 ans de l'immigration marocaine, au-delà de Gibraltar, bientôt sur la 2. La2.be, le site web de la 2. Oh, mais c'est le nouveau site de la 2! Ouais. Parce que tous vos programmes prolongent leur vie sur le web. Et il y a Yasmine. Yasmine! La2.be, c'est d'abord l'horaire de tous vos rendez-vous, simple et accessible. Mais c'est aussi un lien vers le site de chaque émission. Des liens, des jeux et tout ce qu'il faut savoir sur les idoles des petits. Pour les jeunes, des infos pratiques, des agendas et des bons plans. Grand temps plein. Et pour tous, une plongée au cœur de la culture. Histoire, cinéma, séries, films belges, films du monde, entretien, musique et danse. Et encore de la détente, des concours et des places à gagner. Tout cela et bien plus encore sur le site de la 2, www.la2.be. On va sur le site de Blabla. Ça va ? Oh, ce type est fou. 3, 4... S'allument sur toi les projecteurs. Chante et danse pour résister. Yo, cette chance, on va te la donner. T'as la force, t'as la pêche de leur montrer. Plus rien ne t'empêche de tout donner. Ça va t'arriver en vrai. Tu es jeune, tu adores la musique, tu as du talent. Et tu as envie de sortir de l'anonymat. Quand vous aurez fini, vous pouvez ramasser l'herbe. Alors, tente ta chance et inscris-toi à l'une des plus belles aventures musicales du moment, le Grand Concours Eurokids. Renseignements sur le site de la RTBF ou par téléphone. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé, madame la télé? Ou comment, pourquoi, pour savoir quoi? Dans ce monde agité, y'a plein de choses qui bougent. Matière agitée, quoi de neuf dans les news? Salut à tous, bienvenue dans les news, très heureux de vous retrouver. Pour commencer cette émission, j'ai une petite question pour vous. À votre avis, c'est quoi un Wallaby? Alors c'est pas l'ancien nom d'un parc d'attractions, c'est autre chose. Vous aurez la réponse dans quelques minutes, mais avant cela, on jette un coup d'œil attentif sur le sommaire en images proposé aujourd'hui par Philippe. Salut Christophe, elle partira si tout va bien ce vendredi. Elle, c'est la sonde Rosetta. Attention, si tu roules à vélo, dès lundi, un vélo sans phare égale une amende de 150 euros. Et puis, ils nous viennent d'Australie, ce sont les kangourous. On te les fait découvrir en fin d'émission. À toi, Christophe. Merci beaucoup, Philou. La fusée Ariane aurait dû normalement décoller ce jeudi matin de Kourou, c'est en Guyane. Mais à cause de la météo, le décollage a été reporté à vendredi. Ariane va larguer dans l'espace une sonde qui s'appelle Rosetta, qui devra étudier une comète lointaine. Une comète qui pourrait nous donner des informations sur l'histoire de notre planète. C'est un sujet de Bernard. Une comète, c'est quoi exactement? C'est une espèce de caillou géant de la taille d'une montagne. Et ce gros caillou de l'espace, il est composé, il est fait surtout de glace et de poussière. Que fait une comète dans l'espace? Elle tourne en rond autour d'une étoile comme le Soleil par exemple.
Pourquoi veut-on mieux connaître les comètes? Parce qu'elles existaient bien avant la naissance de la Terre. Et donc, en les étudiant, on va mieux comprendre d'où vient notre planète, comment elle est née. En plus, lorsque la Terre s'est créée, les comètes, en passant tout près, ont déposé chez nous des milliards de tonnes de matière, de la matière chimique nécessaire pour que la vie apparaisse. Donc, les comètes ont joué un rôle dans l'apparition de la vie sur notre planète. C'est donc pour cela que demain, si tout va bien, une sonde spatiale appelée Rosetta va partir à la rencontre d'une comète. Une fois lancée dans l'espace, Rosetta va effectuer un gigantesque voyage, 5 milliards de kilomètres. La durée du voyage, elle aussi, sera très longue, 10 ans. 10 années pour atteindre la comète et pour s'en approcher très très près à la vitesse de 135 000 km à l'heure. S'il n'y a pas d'accident, Rosetta déposera alors sur la comète un robot pour l'analyser d'encore plus près. Rendez-vous pour cela en 2014. Et oui, Bernard, le rendez-vous est donc fixé dans 10 ans. Entre 1998 et 2000, eh bien 1500 personnes sont mortes et 10 000 ont été blessées grièvement lors d'accidents de la route. Et pour diminuer ce nombre d'accidents, les autorités qui s'occupent de la sécurité routière ont décidé de prendre des décisions qui vous concernent également si vous roulez à vélo. Explication avec Bernard et Philippe. Le code de la route, ce qui organise la circulation des véhicules sur nos routes, va changer. Par exemple, il y aura de nouvelles catégories d'infractions et cela te concerne si tu roules à vélo. Car dans ce que l'on appelle les infractions de premier degré, le fait de rouler à vélo sans phare sera puni par une amende de 150 euros. Qu'en penses-tu? Ah ok, vaut mieux mettre des phares alors. Bah, on roulera plus jamais à vélo. Tu veux acheter un phare? Il vaudrait mieux, et des piles. Et des piles. Et tu le mettrais où en fait ton phare? Je le mets ici, je repasse aussi. Ah d'accord. Ça fait cher le phare, ouais. Pour l'instant, on garde le sourire, mais à partir de lundi, ce sera du sérieux. Vaut mieux être en règle pour éviter l'amende. L'objectif est d'obliger tout le monde à être équipé et donc visible dès que le soir tombe pour éviter les accidents. Alors c'est vrai que les VTT, par exemple, sont rarement vendus avec des phares alors qu'il est obligatoire d'en avoir et qu'il faudrait peut-être obliger les fabricants à vendre les vélos avec les phares à l'avant et à l'arrière. En attendant, si ton vélo n'est pas encore équipé, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et il vous reste donc à faire cela avant lundi prochain, le 1er mars. En début d'émission, je vous avais posé une question, je vous avais demandé ce que c'était un wallaby. C'est bien évidemment un kangourou. Alors on va pas prendre la direction de leur pays d'origine. On va pas prendre la direction. Highlighting technologies.